galeremos sangre y tenebros. Oso camaleremos sacar. Jale. 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 C'est ta gloire que nous accueillons. C'est ta gloire que nous réclamons. Qu'elle s'assied dans nos vies. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Grosso catélé, les rameaux paranama. Il faut que tu atterrisses. Il faut que tu investisses. Il faut que tu fasses la différence. Allez, allez, allez. Lorsque tu dis Hallel à Yahweh, c'est ce qui donne Alléluia. Allez, allez, allez. Il faut que ta gloire fasse la différence. Il faut que ta gloire investisse. Il faut que ta gloire nous saisisse. Il faut que ta gloire nous réveille. Allez, allez. Allez, allez. Grosso cavale que t'es la bosse. Il faut que tu fasses la différence. Il faut que tu sois accueilli. Il faut que tu te répandes. Du soleil levant jusqu'à son couchant, il faut que tu reviennes. Que tu reviennes dans la place. Que tu reviennes sur nos vies. Allez, allez, allez. Nous avons compte ta gloire là où elle a été dérobée. Nous avons trop allé là où elle avait été diminuée, là où elle avait été usurpée, là où elle avait été volée. Il faut que ta gloire revienne, il faut que ta gloire soit rétablie. Là où elle avait disparu, là où elle s'était éloignée. Il faut que ta gloire revienne au Père. Allez, 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 allez. Reviens sur le Congo. Père, reviens dans nos vies. Reviens dans nos destinées. Reviens dans notre histoire, notre témoignage. Dans notre postérité. Dans notre santé. Il faut que tu reviennes. Allez, allez, allez. Il faut que la gloire revienne. Il faut que la gloire soit rétablie. C'est la clé d'une victoire totale. Israël l'avait compris. Voilà pourquoi ils sont allés chercher l'arche de Dieu. Ils sont allés chercher l'arche de l'Alliance. Qui symbolisait la gloire de Dieu. Et le jour où l'arche a été perdue, la défaite était assurée. Israël savait que pour ramener la victoire, pour ramener le triomphe, pour ramener le règne, il fallait d'abord ramener la gloire.
Voilà pourquoi David, lorsqu'il était nommé roi, lorsqu'il était établi roi, il est d'abord, en premier lieu, il est parti chercher la gloire. Il savait qu'il ne pouvait pas régner sans la gloire. Allez, 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 allez. Tant que tu n'es pas rétabli, l'église ne peut pas se mouvoir. Tant que tu n'es pas rétabli, les vies ne peuvent pas être transformées. Allez, allez, allez. Les kebroso katama bakete les remons. Allez, allez. Malekete les remons koma hala remons. Ikete la mambroso la remons. Allez, allez. Allez, allez. Ça veut dire gloire, gloire. Allez, allez. Allez, allez. Tant que tu n'es pas remis en place, tant que la gloire n'est pas revenue. David avait compris que ce n'est pas la peine d'exercer le règne. Ça sera que de frustration, de confusion, de défaite, d'approximation, de médiocrité. Une fois c'est la victoire, trois fois c'est la défaite, une autre fois c'est la victoire, cinq fois c'est la défaite. Ça c'est le résultat lorsqu'il n'y a pas la présence de la gloire. Lorsque la gloire est partie, ça a été le commencement de la misère, de l'oppression, de la souffrance, de la compression de l'humanité. Lorsque Adam a chuté, lorsque Adam a péché, ce qui s'est produit, c'est que la gloire est partie. Voilà pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés et ont raté, ont manqué, ont perdu la gloire de Dieu. C'était le commencement de la souffrance. La gloire était incarnée par une personne, l'Esprit de gloire, l'Esprit de grâce. Il n'y a pas la gloire tant que l'Esprit de Dieu ne vient pas se mouvoir dans la place. La gloire est transportée, la gloire est apportée, la gloire est introduite par une personne appelée le Saint-Esprit. Allez, allez. Nous t'implorons. Nous te supplions. Viens sur ce séminaire. Alléluia. Gloire à toi. Ma grosso cartel. Au soleil et cambra haïté. Allez, allez. Tu es bon. Maintenant nous disons Alléluia. Juste au cas où quelqu'un demanderait de quelle gloire on est en train de parler. Sommes-nous en train de parler de la gloire de l'ancien Congo, de la gloire de ma famille charnelle? Non. Nous sommes en train de parler de Hallel à Yahweh, de Alléluia. Tu es bon. C'est de toi que nous parlons, c'est toi que nous invitons, c'est toi qui feras la différence. C'est ta gloire que nous invitons à reprendre possession. Les cadets, les bobros, Satana, allez, allez à qui? À Yahweh, allez à qui? À Yahweh, tu es, ma brosso est à la rabo. Ramène de la gloire. La gloire de mes parents, pas la gloire de ma famille, mais la gloire de Dieu sur nos vies. Roche capable de rebo, brosso de ma baille que de la babros. Allez, allez, allez. Tu es. Tu es, tu es, tu es. Et
et ton amour. Allez, allez. Nous ne parlons pas de n'importe quel hallel. La gloire qu'il y avait sur ta famille charnelle et naturelle, la gloire que tu voulais associer à ton nom personnel, ne peut pas être comparée à la gloire du Créateur. La gloire d'une créature ne te comblera jamais. Ce qu'il faut aspirer et désirer, c'est la gloire. Le mot est à gloire. Le mot gloire vient dire doxa. Ça veut dire l'éclat, la splendeur, la beauté, la magnificence, la plénitude, l'expression maximale et optimale. De qui veux-tu voir la gloire? Je veux voir ta gloire, celle du Créateur de toutes choses, celle de celui qui m'a créé pour un but, celui qui m'a prédestiné avant la fondation du monde à être conforme à son Fils premier-né. Voilà la parole que le Seigneur me donne. Lève-toi, Ésaïe 60. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il me dit de te dire, lève-toi, lève la tête, rayonne, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quelle gloire! C'est Alléluia! Ça veut dire la gloire de Dieu. La gloire à Dieu. Ça veut dire l'éclat, la beauté, la splendeur, l'étoile. Chaque personne qui vient au monde a une étoile, une gloire, une splendeur que Dieu lui réservait, que Dieu avait préparé. Ce qui était vrai pour Moïse et pour Jésus est vrai pour chacun de nous. Et cette gloire renferme les projets de paix et non de malheur qu'il avait préparé pour te donner, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tous ces projets ont été emballés, ont été packagés, ont été enfermés dans un mot qu'on appelle gloire, éclat, perfection, beauté, rayonnement, splendeur. Cette gloire avait été prévue avant la fondation du monde. Cette gloire peut être vue dans le monde des ténèbres. Les mages ont vu l'étoile, la gloire, l'éclat, ce qu'il allait devenir. La gloire renferme des informations te concernant. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce que le Créateur a prévu pour sa création? C'est ça, la gloire. Qu'est-ce que le Créateur, avant la fondation du monde? Parce que la Bible dit, Dieu a tout créé pour un but. Il n'a pas créé par hasard. Il a créé avec une mission. La mission est enfouie dans la créature. Et cette mission cachée dans la créature s'appelle la gloire. Cette créature doit arriver à telle dimension, doit atteindre tel sommet, doit franchir tel palier. C'est ça la gloire que Dieu a préparée. Et lorsque la gloire de Dieu est manifeste, ça veut dire que ce que Dieu avait préparé, ce que Dieu avait prophétisé, ce que Dieu avait mis sur toi à l'intérieur est devenu visible, est sorti. Alors, la Bible dit que la gloire est révélée. La gloire, tout ce que Dieu est, qu'il a mis et qu'il est lui-même, sa nature, sa beauté, son amour, son humilité, sa capacité, sa beauté, sa splendeur. Lorsque toutes ces choses deviennent visibles et manifestes à travers toi, alors la gloire de Dieu dans ta vie
devient manifeste. Mais je suis là pour te dire, attention, le monde mystique voit également cette gloire. Le monde mystique a la possibilité de voler, d'arracher. Ils ne peuvent pas détruire la gloire. C'est impossible. Mais ils peuvent la pervertir, la voler, l'arracher. Voilà pourquoi plusieurs personnes au son de ma voix. Il y a un éclat qui avait été préparé pour toi avant la fondation du monde. Mais tu reconnais quand tu examines ta vie que tu ne vois pas cet éclat. Tu ne vois pas cette intelligence. Tu ne vois pas cette santé. Tu ne vois pas cette merveille. Tu ne vois pas. Pourquoi tu ne vois pas? Parce qu'il est très possible que dans ta famille, une personne qui pratiquait les sciences occultes est vue. Je suis venu te dire que parfois tu as été très combattu dans ton enfance sans comprendre pourquoi on te combattait. Tu as été haï dans ton enfance sans comprendre pourquoi on te haïssait. Tout petit, alors qu'on a dû t'encourager, on t'injuriait et tu ne comprenais pas pourquoi on t'injuriait. Pourquoi? Il y a des gens même que tu rencontres aujourd'hui dans la rue et quand tu les vois, quand ils te voient, ils te regardent d'un air méprisant. Pourquoi? Parce qu'ils voient un éclat et ils se disent, si cette chose se manifeste, oh, on sera tous dans la galère. Si ça se manifeste, on perdra nos avantages. Si jamais il y arrive, c'en est fini de nous et de nos œuvres des ténèbres. Mais je suis venu te dire ce soir, le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire rayonne, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu dit au verset 2, je sais, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Ça veut dire, Ésaïe a vu en esprit les ténèbres. Ils mettent un voile sur toute la terre. L'obscurité noircit la vision des peuples. Mais sur toi, mais sur toi, mais sur toi, mais sur toi, Mambro Sakatariribosa, mais sur toi, Payakatabro Sokahana, mais sur toi, Royakatalarabosakaya, mais sur toi. Le Seigneur se lève sur toi. Sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Les camarades. Brosso catalerebo sakahilarabo. Mambroso ketelarabo. Les catabros ketelerebo. Sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire ce que les sorciers, les esprits humains ont mangé. Ont volé, ont arraché dans le monde des ténèbres, dans les réunions occultes, dans les coalitions et les associations occultes, sataniques, démoniaques. Ce qu'ils ont mangé, volé, dérobé. Le Seigneur te dit, il restaure sur toi la gloire du Seigneur. Reviens, elle revient, elle revient. Elle revient. L'équipe broche catalarabo. Mon frère, ma soeur, on peut voler, mais on ne peut pas tuer la gloire. Et Joseph, Joseph avait une gloire. Et lui, il a vu ce qu'il allait devenir. Mais il n'était pas le seul à la voir. Le diable savait. Il a suscité ses frères, il les a inspirés, poussés, parce qu'il pensait qu'on pouvait tuer la gloire. Et Joseph a vécu pendant des années. Il a vécu pendant des années en disant, mais j'ai vu ce que j'allais devenir. Mais je me retrouve dans le puits. Où est la gloire de Dieu?
Il disait, mais on m'a jeté dans un puits. D'un puits, je suis passé chez Potiphar, esclave. Tu passes ta vie esclave. Petit boulot, esclave. Mendicité, médiocrité, limitation, restriction, compression, oppression. C'est ton histoire. Mais le Saint-Esprit, malgré les épreuves, continuait de dire à Joseph, ne perds pas espoir. Dans le puits, relève la tête. La gloire, regarde-la. Même si tu ne la vois pas physiquement, ferme les yeux. Regarde-la en espérance. Regarde-la en esprit. Focalise les yeux sur Christ, l'auteur de ta foi et celui qui l'amène à la perfection. Focalise les yeux sur Christ. La gloire sur Joseph a été volée. Elle a été dérobée. Elle a été arrachée par la méchanceté des hommes. La gloire sur ta vie et sur ma vie a souvent été volée, arrachée, dérobée. Mais il me dit de te dire, qu'importe à quoi ressemble ta vie, qu'importe à quoi ressemble ta condition, mon juste vivra par la foi. La foi ne croit pas seulement, la foi ne confesse pas seulement, mais la foi persévère, la foi résiste, la foi ne cède pas, la foi relève la tête, la foi donne gloire à Dieu, la foi se réjouit. Abraham s'est réjoui. La Bible dit qu'il fut fortifié dans la foi. Il a donné gloire à Dieu. La foi n'attend pas de voir la manifestation. La foi ne jette pas l'éponge. La foi continue de proclamer que je suis enceinte de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu sur ma vie finira par parler. Ce n'est qu'une question du temps. Oui, mais Joseph, tu es dans le puits. C'est pas grave. La gloire, la vision céleste finira par parler. Oui, mais Joseph, tu es dans la maison de Potiphar. Ce n'est pas grave. La gloire que j'ai vue finira par parler. Joseph a continué de servir. Il se disait peut-être que cette gloire a voyagé. Mais il a refusé d'être amer. Il a refusé d'être frustré dans la vie. Il a rejeté la tentation du diable de le rendre amer, aigri, en colère, jaloux. Parce que si ces choses demeurent en toi, la gloire ne peut pas revenir. Parce qu'elle ne cohabite pas avec la colère, l'amertume, le rejet, la colère, la jalousie. Non, la gloire ne peut pas se positionner. La gloire a besoin d'un cœur reconnaissant. Elle a besoin d'un cœur rempli de foi. Et Joseph a refusé de basculer dans la haine, dans le manque de pardon. À quoi je le sais? Je le sais au fait que lorsqu'il a vu ses frères, il n'a pas été animé d'un sentiment de vengeance. Maintenant vous allez voir, c'est mon tour. Vous allez souffrir le mal que vous avez fait. Vous allez payer. Non, Joseph n'a pas dit ça. Il a dit non, je vais vous expliquer. Vous m'avez vendu parce que vous étiez jaloux de la gloire que vous aviez perçue. D'accord, vous m'avez vendu. Mais en réalité, Dieu m'a envoyé comme éclaireur. Dieu m'a envoyé comme panneau de signalisation. Dieu m'a envoyé comme pionnier. Dieu m'a envoyé comme leader. Dieu m'a envoyé comme avant-gardiste. Dieu m'a envoyé devant pour préparer un chemin pour ma famille, mon pays, ma destinée, pour ma génération. Dieu m'a envoyé. Si Joseph avait gardé l'amertume, Joseph se serait vengé. Mais quand il a vu ses frères, la compassion, je suis venu te dire, la réussite, l'argent, la faveur, la prospérité ne guérit pas de l'amertume. Ce qui a consolé Joseph, ce n'était pas le fait d'atteindre des positions élevées ne guérira pas les blessures, les amertumes, les jalousies, les colères de ton enfance. Non.
Voilà pourquoi tu as des gens, ils ont accédé à des postes de responsabilité, mais ils ont toujours la volonté de se venger, de faire souffrir leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, malgré leur position. C'est la preuve que la position ne change pas le cœur de l'homme. Alors, si Joseph n'avait pas d'amertume, c'est parce que Dieu l'avait consolé et Dieu lui a démontré qu'en réalité, Joseph, je vais te dire, j'ai formé des projets de paix sur toi et non de malheur. Et personne ne peut tuer la gloire que j'ai enfouie en toi. Les projets que j'avais formés sur toi, personne. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Joseph, je ferai, si tu me fais confiance, si tu gardes ton cœur dans l'amour de Dieu, je ferai concourir toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment et qui sont appelés selon mon dessein. Joseph, je ferai concourir le mal qu'ils avaient programmé contre toi. Je ne sais pas comment, mais ce mal sera changé en bien et à ton avantage si tu protèges ton cœur dans l'amour et tu ne bascules pas dans l'amertume et dans la haine. La gloire ne peut pas être volée. Elle ne peut pas être détruite, pardon. Elle peut être volée, arrachée, déviée. Ils peuvent se servir de ce qui était sur toi. Mais je suis venu ici avec une onction apostolique et prophétique pour te dire que cette gloire est rétablie. Elle est rétablie. Mets la main sur ta tête, touche ta tête, elle est rétablie. Elle revient sur toi, 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 elle revient sur toi. Allez, elle revient sur toi. Elle revient sur toi. Mets la main sur la tête. Reviens, reviens, gloire de Dieu. Rosso membre seke, les catamabros sont que des lèvres d'amour. Les mabros, ça y est, la lèvre d'amour. Ya, catala mabé, rosso camale de l'émos, ça y est. Les cababa y est la lèvre d'amour. Alléluia, alléluia, c'est la gloire de Dieu qui est rétablie, c'est la gloire de Dieu qui est ramenée. Les catamabros sont que t'es les rebos, c'est la gloire de Dieu qui est restaurée. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Mambro sokate le reba. Ye ko le le. Makabro soke le reba. Likatambro so le reba. Parce que cette gloire est rétablie, tu te réjouiras. Et c'est toi qui, dans quelque temps, diras à tes frères, comme Jacob a dit à ses frères, dites à mon père, dites à ma mère, dites à mes parents, dites à tous ceux qui pensaient que ce n'était fini de moi. Dites à tous ceux qui pensaient que je finirais en prison toute ma vie. Dites à ceux qui pensaient que je mourrais là-bas. Dites à ceux qui pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Dites-leur, va dire à mon père. Et allez dire à mon père. Et Joseph a dit, allez leur dire,
qu'ils viennent voir ma gloire en Égypte. Waouh! Qu'ils viennent voir ce que Dieu a restauré. Qu'ils viennent voir, Dieu a reprogrammé ce qui avait été déprogrammé. Dieu a remis en place ce qui avait été envolé, ce qui avait été arraché. Je déclare que Dieu remet en place ce qui t'avait été arraché. Dieu remet en place, en place, en place, en place, en place. Allez, 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 allez. Il vient rétablir, il vient restaurer, il vient relever. Rosso cacale de la maca, rosso malé, yéketa babrasaya, l'éketa babrosa, voyez l'élément. Il vient revoir ta gloire, les rabots chaînés, les rabots. Lorsque Jacob leur a dit, dites à mon père qu'il vienne voir ma gloire en Égypte, ce n'était pas de l'orgueil. C'était pour Jacob une manière de dire, dites à mon père, dites à ma famille qui a cru que rien de bon ne sortirait, qui a cru que la prophétie ne s'accomplirait pas. Jacob, Joseph était en train de leur dire, dites à mon père que ce que j'avais vu, que ce que j'avais annoncé, que lui-même avait discerné, c'est la raison pour laquelle il m'avait donné un manteau de plusieurs couleurs, parce qu'il avait compris que quelque chose de spécial était sur ma vie. Cette chose a été volée. Dites à mon père que tous les programmes divins, tous les paramètres divins, les programmations divines, les prophéties divines, les projets divins qui avaient été conçus, formés, arrêtés avant la fondation du monde, dites à mon père que ces paroles se sont faites chair, que ces prophéties divines, secrètes, sont devenues réalité. C'est pour soi qu'il a dit, dites à mon père de venir voir ma gloire, ce qui était censé sortir de moi. Je déclare que ça sortira de toi, ça sortira de toi, ça sortira de toi, ça sortira, ça sortira, ça sortira. Tes parents, ton entourage, ton quartier, tous viendront vouloir. Alors ils reconnaîtront que ce n'est pas une œuvre ou un accomplissement humain. Ils diront, quand on voit par où tu es passé, quand on voit comment tu as vécu ce que tu as vécu, quand on voit comment toutes ces maladies t'ont tout fait pour te tuer depuis tant d'années, quand on voit par où tu es passé, on est obligé d'admettre, quand on voit tout ce qu'on a fait pour t'enterrer, on est obligé, forcé de reconnaître et d'admettre que ce n'est pas toi qui l'as fait, ce n'est pas un homme qui l'a fait. Il y avait trop de concours de circonstances qui jouaient contre toi. On est obligé de reconnaître qu'une main invisible a été sur ta vie et t'a gardé. On est obligé de reconnaître que ce n'est pas naturel, mais c'était un prodige de Dieu, une merveille à nos yeux, un accomplissement divin. On est obligé de reconnaître désormais, Ivan, Modestine, Gislain, ton Dieu désormais sera mon Dieu. Je rends les armes, il rendra les armes, ils capituleront, ils céderont et ils reconnaîtront, même ceux de ta famille, ceux de ta famille et de ma famille qui pratiquaient les sciences occultes. Et qui faisait dire aux gens, comme au temps de Simon, il faisait dire, celle-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. C'est parce qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas encore connu l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il n'avait pas vu la puissance de résurrection de Jésus. Je suis venu te dire que dans ma famille et dans ta famille, tous ceux qui pratiquaient les sciences occultes, tout ce qui avait prêté allégeance au diable et aux démons viendront et reconnaîtront et diront certainement, à partir d'aujourd'hui, là où tu iras, j'irai. À partir d'aujourd'hui, ton Dieu sera mon Dieu.
parce que je reconnais que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne, il n'est personne comme lui. Jésus Christ est le Seigneur. Et toute langue, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, le Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Allez, les camarades et les rébos. Allez, allez, maïlete de la mabroso yakata. Allez, 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 il pensait qu'il pouvait retenir, enfermer, kidnapper indéfiniment ton mariage, ta réussite familiale. Il pensait qu'il pouvait t'enfermer dans la prison des querelles familiales, des disputes, des déceptions, des divorces, des désastres, des dégoûts. Il pensait qu'il pouvait t'enfermer dans les migraines, dans les maux de tête, dans l'esprit de folie. Je suis venu te dire que sur toi, la gloire du Seigneur se lève. La gloire du Seigneur se lève. Allez, 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 allez. Brosso cadale de ma. Broya le la la bossaya. Le cadale de la ma. Wow, wow, le de la bossaya. Positionne-toi. Ramène ta gloire. Restaure ta gloire. Alléluia Yahweh. Le kata mambro se kata ya. Le shakata la bro. Prochaine le kata la rabos. Positionne-toi. Mambro le ketale, le ketale le rebo, mai la rabus, rosso le la re, rosso la re, shele rebo ka, le rabus sai le rebo ketale rebo. Allez, 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 Le catalan mambroso. 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 Le catal
Le Saint-Esprit me dit qu'il ne peut pas te demander de lui rendre ce qu'il n'a pas donné. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et s'il dit, rends-lui la gloire, pour que tu lui rendes la gloire, il faut qu'il t'ait rétabli sa gloire pour que toi ensuite tu lui rendes à lui. Voilà pourquoi il ne peut pas te demander de chanter ce chant s'il n'a pas restauré. Alors si tu crois qu'il t'a restauré, tu peux rendre. Reçois, reçois, reçois la gloire. Je te rends déjà toute la gloire. Dieu restaure la gloire, mais il me dit de te dire, il dit à chacun d'entre nous, lorsque tu verras l'éclat, lorsque tu verras les portes s'ouvrir, lorsque tu verras ta vie prendre une trajectoire ascendante et non plus descendante, souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui l'aura manifesté et rends-moi gloire. Ça veut dire, lorsqu'on te félicitera, lorsque les gens seront émerveillés, souviens-toi de retourner, de faire remonter et de dire, reçois. 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 Yeketama. Reçois. Yatelerebo. Reçois. Souviens-toi de dire. Reçois. Pour mon mariage. Reçois. Pour ma guérison totale. Reçois. Pour la santé divine. Reçois. Pour la perception naturelle. Reçois. Pour la faveur divine. Reçois. Pour l'écriture de l'histoire. Reçois. Pour la distinction divine. Reçois. Pour la fécondité. Reçois. Pour la bonne santé de mes Reçois. Enfants, pour le déploiement de tous côtés, Reçois. Pour la réussite illimitée, Reçois. La prospérité de tous côtés. Reçois, 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 reçois la gloire qui t'est due, reçois, éternel. Reçois, 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 reçois la gloire allez, qui t'est due, ô éternel. Peut-être objecteras-tu, peut-être auras-tu une objection, peut-être vas-tu dire, Seigneur, excuse-moi,
tu n'as pas aidé du niveau de sorcellerie. Tu n'as pas aidé du niveau des ténèbres. Tu n'as pas aidé du niveau d'obscurité dans ma famille, dans ma descendance, dans mon ascendance. Tu n'as pas aidé, Seigneur. Je veux bien te rendre la gloire. Mais dans ma famille, il y a tellement de sorcellerie, il y a tellement d'occultisme, il y a tellement de fétichisme, il y a tellement de mélange dans ma famille. Ce sont les ténèbres partout. Pointe Noire, Brazzaville, le Congo, Seigneur, c'est un environnement ténébreux. C'est incroyable, c'est trop ténébreux. Peut-être que tu réussiras ça dans un pays où il y a un réveil comme au Ghana. Peut-être dans des pays comme la Corée du Sud, Seigneur. Mais ici, ici, ça va être tellement difficile, Seigneur. Ce n'est pas que je doute, mais il y a tellement de ténèbres. Le Saint-Esprit me dit de te relire Ésaïe 60. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Et il me dit de te dire, je le savais déjà. À l'époque où j'ai libéré cette parole, les ténèbres couvraient, pas ta famille, la terre. Toi, tu me parles de ta famille, tu me parles de ta région. Moi, je te parle de la terre. Et c'est moi qui te dis, les ténèbres recouvrent la terre. Et ce n'est pas tout. Et l'obscurité recouvre, pas ta famille seulement, mais le peuple entier. Alors il me dit de te dire, je suis au courant, je suis au courant, mais sur toi, je répète, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Je déclare que sur toi, cette parole, écoute-moi, cette parole n'est pas pour tout le monde. Cette parole est pour ceux qui croient en ce qui a été annoncé. Cette parole est pour ceux qui croient en la prophétie. Cette parole est qui croient pour ceux qui croient que la bouche du Seigneur a parlé. Si c'est toi, tu peux faire monter des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Reçois la gloire qui t'est due, Vaya ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Les quebros sont cadavres, ma brèche qui était là dans la bosse. Reçois la gloire qui t'est due. Yes, c'est la maille à la mort. La la mort. Reçois la gloire qui t'est due. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, je sais que les ténèbres. Je sais que les ténèbres couvrent la terre. Je sais que l'obscurité recouvre le peuple. Mais sur toi, mais sur toi, mais sur toi, un vaccin chrétien. Mais sur toi, mais sur toi, mais sur toi, ma gloire se lève. Mais sur toi, rends-lui la gloire, rends-lui honneur. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Le juste n'attend pas de voir physiquement pour commencer à chanter et à rendre. Le juste vit par la foi. Abraham a commencé à rendre gloire bien avant l'enfantement de Isaac.
Le juste. Attends, attends, attends. Le juste. Le juste. Pendant qu'on va dire, reçois. Toi, tu vas dire, pour telle chose, 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 pour telle chose. Toi, tu vas simplement dire, quand nous on va dire, reçois. Toi, tu vas chanter, tu vas rendre grâce de manière prophétique. Qui ont les vides, reçois. Toi, tu vas chanter, tu vas proclamer tes paroles. Et tu vas dire à Dieu, reçois la gloire pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Reçois. Reçois. Les catamabres. Reçois. Reçois. Pendant que tu acclames, tu mets reçois les mots, mets ton vocabulaire. Parle, reçois, parle, parle. Reçois pour ce que tu vas manifester. Reçois la santé divine, la guérison totale, reçois la restauration totale. Reçois, 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 reçois. Mets tes mots, mets reçois tes mots. Rends grâce, rends gloire. Rends-lui, rends-lui gloire. Reçois. Maldekete la mablo. Reçois. Prosoka de l'élément. Reçois. Les babayas. Reçois. Et l'élément salam. Reçois. Pour le mariage, reçois. On avait dit pas possible. Reçois. Ils avaient enfermé, reçois, ma sanctification. Reçois. Mais je te dis, reçois. Mais je te dis, reçois. Ils avaient enfermé, reçois, ma réussite professionnelle. Reçois. Mais je te dis, reçois. Mais je te dis, reçois. Mais je te dis, les pères et la reine des mots. Rachaka d'Alenebo, Mambroso Kedela, élève la voix, reçois, remplis les espaces, reçois, parle à Dieu, rends-lui gloire. Reçois. Pourquoi est-ce que tu rends? Reçois. Tu ne peux pas rendre, reçois. Tu ne peux pas lui dire de recevoir, reçois, ce que tu n'as pas reçu. Reçois. Alors dis-lui, reçois. Reçois. C'est une manière de dire, j'ai reçu. Mon juste vivra par la foi. Reçois. Je ne serai pas confondu. Reçois. Car j'espère en toi. Reçois. Je me confie en toi. Reçois. Je me réfugie en toi. Reçois. Pour ma sécurité. Reçois. Ma protection totale. Reçois. 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 Yeah. Reçois. 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 Reçois par des acclamations, reçois par des clameurs. Mes clameurs sont un message. L'acclamation est un message. L'acclamation est un message. Brosso qui est délé. Quel est brosso? Les bras cataladamo. Les catélés brosso. Les catalamo. Les bras sont colorés, les cartes à brosser, les bras reçois, 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 bas les mains, c'est un message, c'est un message, reçois, 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 reçois. Tu as reçu demain. Reçois. C'est un message. Reçois. C'est un message codé. Reçois. 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 Pour beaucoup, pour plusieurs d'entre nous, ce moment qui consiste à dire reçois, je ressens
que c'est un exercice douloureux, difficile. C'est un exercice pénible. Parce que quand tu regardes à ta vie, tu n'as pas envie de dire reçois. Parce que tu n'as vraiment pas reçu. Alors tu n'as pas envie de le dire reçois. Parce que tu reconnais que tu n'as pas encore reçu. Et pour toi, ce genre de moment prophétique où on rend droit, où on le dit reçois, parce que j'ai reçu, c'est difficile. Le Saint-Esprit est en train de me dire que pour toi, ce n'est pas une louange. Si tu as accepté de chanter que tu lui as offert, pour toi, ce que tu viens de faire, c'est ce que la Bible appelle un sacrifice de louange. Parce que ça t'a coûté, ça t'a fait mal. Parce que tout ton être disait, il n'y a aucune raison de lui dire reçois quand je vois l'état de ma vie. Mais alors que tu te forces, parce que mon juste vivra par la foi. Alors que tu te tires, tu te forces à dire à ton âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi, mon âme? Ne regarde pas par les yeux de la chair, regarde par les yeux de l'esprit. Mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ton âme te dit, mais je ne vois pas ces bienfaits dont tu parles. Il me dit de te dire, fais comme le psalmiste. Lorsqu'il a écrit ses psaumes, il n'allait pas bien du tout. Il était en train de sombrer. Voilà pourquoi il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de toi, mon âme, pourquoi? Parce qu'en réalité, son âme était abattue. Mais il dit à son âme, qui parle? L'esprit dit à l'âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Je ne vois pas les résultats, je ne vois rien pointer à l'horizon, mais espère mon âme, car je le louerai encore. Et quand tu fais cela, ce n'est plus la louange, parce qu'à côté de toi il y a quelqu'un qui loue parce que tout va bien. Mais lorsque tu loues alors que rien ne va, ce n'est plus de la louange, c'est un sacrifice. Ça fait mal, mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, un sacrifice, un sacrifice. Lorsque tu acclames alors qu'il n'y a pas de raison d'acclamer, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice, un sacrifice. Reçois, reçois. Est-ce que tu as le courage? Est-ce que reçois? Reçois. Reçois, acclame mon âme, acclame, mes mains acclamées, reçois, reçois, je dis au Seigneur, reçois, reçois, c'est un sacrifice de louange, ça me fait mal, mais je dis reçois, c'est un sacrifice, sacrifice de louange, reçois. Reçois, malgré cette maladie, reçois, malgré cette situation, reçois, malgré cette confusion, reçois, malgré ces circonstances, reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois,
Reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 une voix monte dans mon cœur et me dit, j'honorerai celui qui m'honore. Lorsque par ta louange, ton sacrifice de louange, alors que ta chair, alors que le monde, alors que l'accusateur te disait maudit Dieu et meurs, lorsque tu choisis de faire monter, alors qu'autour de toi et à l'intérieur de toi rien ne va, lorsque tu choisis de faire monter, parfois avec pleurs, avec larmes, avec cris, à l'intérieur de toi, à l'extérieur rien ne paraît. Mais à l'intérieur, ce sont des supplications, des gémissements. Parce que tu ne sais même pas, tu ne sais même plus comment prier, quoi prier. Lorsque néanmoins, tu dis à ton âme, je vais louer, je vais rendre gloire à Dieu. Alors que ton conjoint te dit, maudit Dieu, et meurt. Lorsque tu dis, je sais que mon Rédempteur, que mon Rédempteur, je sais que celui qui m'a racheté vit et que son sang parlera, sa fidélité parlera. Je sais, je déclare et je décrète en dépit de tous les vents contraires. Que sa fidélité parlera, que sa gloire se manifestera. Alors d'avance, je te dis, reçois. Lorsque tu as fait cela, Dieu dit en public, tu m'as honoré, tu m'as confessé, tu m'as reconnu comme étant digne de gloire. Le Saint-Esprit me dit, je t'honorerai. Parce que tu m'as honoré. Tu ne m'as pas maudit. Tu m'as honoré. Même lorsque tu ne comprenais pas les enjeux, tu seras honoré. J'ai dit, tu seras honoré.
tu seras honoré. Tu seras honoré. Je serai honoré. Oh, je serai. Je ne serai pas confus. Non, non. Oh, honoré. Je serai honoré. Je serai honoré. Par Dieu. Je serai honoré. Jamais confus. Je serai honoré. Pas couvert de honte. Je serai honoré. Je ne serai pas disgracié. Je serai honoré. Je ne serai pas dégoûtant. Je serai honoré. Je ne serai pas répugnant. Je serai honoré. Je ne serai pas misérable. Je serai honoré. Je ne serai pas médiocre. Je serai honoré. Je ne serai pas écrasé. Je serai honoré. Non. Je serai honoré. Je serai. Je serai honoré. Je serai. Je serai honoré. Je serai honoré. Je serai honoré. Je serai. Je serai honoré. Oh, Satana, délivre. Je serai honoré. D'âge en âge. Je serai honoré. De génération. Je serai honoré. En génération. Je serai honoré. Je serai. Je serai honoré. Je serai. Je serai. Je serai. Je serai honoré. Je serai honoré. Je serai honoré. Mon juste vivra par la foi. Je serai honoré. 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 Je serai honoré, je serai honoré, je serai honoré, je serai honoré, je serai honoré. En toi mon âme, je serai honoré, toi ma destinée, je serai honoré, ma postérité, je serai honoré, mon témoignage, je entends, serai honoré, ma santé, entends, je ne serai pas confus, non, jamais. Je serai honoré. Je serai. Je serai. Je serai. Comme Joseph. Comme David. Comme Daniel. Comme Abraham. Comme Jacob. Comme Isaac. Je serai. Brosso gamba ye de 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 le baba katea brosso ke ye je serai honoré je serai honoré fais monter fais monter brosso gamba ye de de bouche baya la ricatea la bouche et ma brosse. Si tu crois que ça te concerne, tu peux acclamer encore. Acclamer encore. Acclamer encore. Acclamer encore. Acclamer encore. Il y a des combats, des luttes, des batailles dont tu ne comprends ni l'origine, ni le pourquoi et ni le comment en sortir. Que faire? Mon juste vivra par la foi. Rends-lui gloire. Rendons. Lui gloire. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent, s'emparent, arrachent, prennent possession des promesses, des prophéties
paroles que Dieu a prononcées. Père, par ta grâce et avec l'assistance du Saint-Esprit, ces paroles prononcées sur ce pupitre ne sont pas pour l'année prochaine. Parce que tu ne m'as pas envoyé l'année prochaine. Tu m'as envoyé cette année. Tu m'as envoyé au commencement de l'année. Afin que la suite est la fin de l'année. Révèle et manifeste la parole que tu as prononcée. Nous te rendons toute la gloire. J'avais préparé un message que je croyais que je devais donner. En fait, c'était juste un message. En réalité, je ne savais pas. Le Saint-Esprit ne voulait pas de message ce soir. Et je crois que le pasteur Ghislain a bien annoncé ça au début. Il voulait déposer un dépôt. Il voulait rétablir un désordre. Et mettre l'ordre. Il voulait ôter un désordre, pardon, et rétablir l'ordre. Il voulait remettre en place ce que les sauterelles, ce que les erreurs, les fautes personnelles, ajouter aux esprits maléfiques, aux esprits familiers, aux esprits humains de sorcellerie. Déjà, tes propres fautes ont fait partir plusieurs domaines où la gloire de Dieu devait être révélée. Mais en plus de cela, les démons s'y sont mis. Les esprits de sorcellerie s'y sont mis. Ils ont rajouté. Les ténèbres recouvrent la terre. L'obscurité, les peuples. Mais sur toi. Mais sur toi. Sur un pape sans chrétien. Sur toi, église qui croit et reçoit la parole prophétique et apostolique. Mais sur toi, le Seigneur se lève sur toi, sur nous, sa gloire apparaît.